Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer notre mini-série sur les promesses de Dieu. Notre bon Père du ciel, tu es un Dieu vivant, un Dieu vrai, un Dieu capable de faire des promesses, capable de faire des prophéties, car tu es divin. On a vu hier que le Nouveau Testament est l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Et j'aimerais que tu nous diriges aujourd'hui pour découvrir le contenu des promesses que tu as faites dans l'Ancien Testament qui se sont accomplies dans le Nouveau Testament et qui vont s'accomplir à la seconde venue de Jésus. Seigneur, nous voulons connaître les promesses que tu as faites. Et non pas des promesses qu'on aimerait. Guide-nous par ton Esprit Saint pour ta plus grande gloire. Amen. Nous avons vu, Dieu seul fait des promesses. Le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament. La Nouvelle Alliance, c'est l'accomplissement de l'Ancien Testament. On a vu que pour bien comprendre l'accomplissement du Nouveau Testament, la raison d'être du Nouveau Testament, la raison d'être du Messie, la raison d'être de l'établissement du peuple de Dieu ou de l'Église, tire ses racines de l'Ancien Testament. Donc, il faut comprendre l'arrière-plan. Il faut penser comme les Thessaloniciens qui vérifiaient dans les Écritures de l'Ancien Testament si ce qu'on leur disait était vrai, si ça avait un sens biblique, et non pas un évangile moderne, un évangile nouvel, qu'on utilise des termes, mais qu'on en a changé le sens. Il faut faire attention, il ne faut pas faire ça. Notre salut en dépend. Mais toutes ces promesses de l'Ancien Testament parlaient de quoi? Annonçaient quoi? Prédisaient quoi, ces promesses-là? Ce que j'ai fait, j'ai pris tout le Nouveau Testament et j'ai cherché à grandeur du Nouveau Testament le mot « promis », le mot « promettre », le mot « promesse ». J'ai cherché ça à grandeur et j'ai trouvé seulement que 4 sujets. Pas compliqué, hein? 4 sujets. Oh, ça prend des nuances, mais c'est juste 4 sujets des promesses de Dieu dans l'Ancien Testament. Nous allons regarder ces 4 sujets. Le premier sujet, c'est l'Évangile comme tel, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle vient de l'Ancien Testament. La bonne nouvelle, ça n'a pas été inventé dans le Nouveau Testament. Jésus a annoncé la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'était l'arrivée du royaume de Dieu, l'arrivée du roi qui était pour mettre en place le royaume de Dieu. Donc la bonne nouvelle, ce n'est pas quelque chose d'inventé dans le Nouveau Testament. C'était dans l'Ancien Testament et accompli dans le Nouveau Testament. La Nouvelle Alliance tire ses racines de l'Ancienne Alliance. Jérémie a dit, ou je devrais dire, Dieu a dit par la bouche du prophète Jérémie qu'il va faire une Nouvelle Alliance. Et quand Jésus arrive, puis il dit qu'il accomplit la Nouvelle Alliance, ben, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc la première chose annoncée, dont les promesses parlent et qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, c'est l'Évangile. Je vais lire un verset. Romains 1, 2. L'Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Donc, ce n'était pas nouveau. La bonne nouvelle se retrouve dans l'Ancien Testament et elle était mise en place, elle était accomplie par Dieu, par Jésus, dans le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance. Dans
dans cet évangile, on peut rentrer aussi le mot « vie éternelle ». Jésus annonce la vie éternelle dans la Nouvelle Alliance, dans la Bonne Nouvelle. Dans Tite, verset 1, chapitre 1, excusez, verset 2, « lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point. » Donc, la vie éternelle que Jésus va accorder, va donner par sa mort et sa résurrection, ça avait été promis dans le temps passé. L'héritage des nouveaux cieux, nouvelles terres, ou de la vie éternelle, ou de faire partie du peuple de Dieu, ça vient aussi de l'Ancien Testament. Laissez-moi vous lire Hébreux 9, 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Donc, ceux de la nouvelle alliance vont recevoir l'héritage éternel promis dans la première alliance. Donc, dans la première alliance, on annonce l'héritage éternel qui va être donné dans la Nouvelle Alliance. Donc, l'Évangile, la vie éternelle, l'héritage éternel, tout ça avait été annoncé dans l'Ancien Testament et c'est le contenu des promesses. Jacques 2,5 dit, « Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? » Donc, le royaume de Dieu maintenant et pour l'éternité dans les nouveaux cieux, nouvelles terres. Ça avait été promis dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament. Donc, le contenu, c'est l'Évangile. L'Évangile de la bonne nouvelle, l'arrivée du royaume de Dieu, la mise en place du royaume de Dieu, comment faire pour avoir la vie éternelle, pour vivre dans le royaume de Dieu, ça fait partie de l'Évangile. Un deuxième sujet de promesse qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, c'est la venue du Messie. Beaucoup de prophéties et de promesses faites dans l'Ancien Testament concernaient la venue du Messie. Laissez-moi vous lire quelques versets. Lisons ensemble Actes 2,30. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. On parle de David ici. Il avait été fait une promesse à David qu'il y aurait un descendant sur son trône pour toujours. Un autre texte dans Actes 13,34. Qu'il ait ressuscité des morts de sorte qu'il ne retournera pas à la corruption, c'est ce qu'il a déclaré en disant, « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David. » Ces grâces qui sont assurées. Donc, à travers de David, Dieu a fait des promesses concernant la résurrection du Messie, qui, à travers cela, nous accorderait les grâces que Dieu voulait nous accorder. Un autre texte, dans Actes 13, verset 23, « C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur, qui est Jésus. » Donc, de la postérité de Dieu, selon sa promesse, est arrivé le sauveur d'Israël, qui est Jésus. Un dernier, dans Actes 13, 32. « Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon qui est écrit dans le psaume 2e, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Donc, une grande partie des promesses de l'Ancien Testament concernait la venue du Messie, la venue du Sauveur, la venue d'un descendant de la postérité de David. Et le Nouveau Testament démontre l'accomplissement de ces promesses ou de ces prophéties en la personne de Jésus. Donc, les promesses de la Bonne Nouvelle, de la Nouvelle Alliance, de la vie éternelle, les promesses de la venue du Messie, du Sauveur, du Roi, du Royaume, les promesses dont on parle dans le Nouveau Testament, c'est de ces promesses-là qu'on parle.
Ce n'est pas des promesses qui concernent ma vie personnelle, qui vont m'emmener la paix quand je suis triste ou quand je suis inquiet. Non, non, les promesses concernent la bonne nouvelle, l'évangile de Dieu, la nouvelle alliance, le Messie. Un autre sujet de promesse dans l'Ancien Testament qu'on voit s'accomplir dans le Nouveau Testament, c'est la venue du Saint-Esprit. Luc 24, 49. Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Ça, c'est promesse que Dieu avait faite dans l'Ancien Testament de la venue du Saint-Esprit sur tous les membres de son peuple de la Nouvelle Alliance. Acte 2, 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il avait été promis. Il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Pierre explique le phénomène de la Pentecôte et il dit, Jésus a été élevé à la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis dans l'Ancienne Alliance. Et il l'a répandu sur nous, comme vous voyez, et sur tous ceux qui sont là, les 120 qui étaient là, et parce qu'il avait été promis le Saint-Esprit. Et on voit la promesse de Dieu s'accomplir dans le Nouveau Testament. Galates 3, 14. Afin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc, il avait été promis un Esprit Saint dans l'Ancienne Alliance et cet Esprit Saint-là est rendu possible de l'avoir, qui vient habiter en nous, à cause de l'accomplissement de la promesse faite à Abraham qui s'est accomplie en Jésus-Christ. Donc, promesse faite à Abraham, accompli en Jésus-Christ, et par la foi, le Saint-Esprit nous est donné. Un autre texte dans Éphésiens 1, 13, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Donc, la promesse du Saint-Esprit, et un dernier dans ce domaine du Saint-Esprit, que je viens de voir, que j'avais oublié de lire, Acte 2, 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants. » Donc, il y avait une promesse, là. « Repentez-vous, croyez au Messie, et faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, et vous recevrez le don du Saint-Esprit qui avait été promis à ceux qui se repentent et qui se font baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Il y en a beaucoup dans l'Ancien Testament. Et c'est l'accomplissement des promesses qui concernaient l'Évangile, l'accomplissement des promesses qui concernaient la venue du Messie, qui a rendu possible l'accomplissement des promesses de la venue du Saint-Esprit. L'Évangile, vie éternelle, le royaume de Dieu, la venue du Messie, la venue du Saint-Esprit. Et un dernier domaine qui concernait les promesses de l'Ancien Testament, c'est la venue du Nouveau Monde. Le retour de Jésus-Christ était prophétisé dans l'Ancien Testament et qui va s'accomplir à la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc la promesse dont il est question ici dans 2 Pierre, c'est les promesses de la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Et un autre texte dans Hébreux 12, 26, « Lui dont la voix ébranlera alors la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Promesse qu'un jour Dieu va transformer le monde dans lequel nous vivons pour en faire un nouveau. Je n'ai pas toutes nommé les promesses de l'Ancien Testament ici, mais c'est pour vous montrer qu'il faut faire attention. Le sujet des promesses de l'Ancien Testament, ce n'était pas le sujet de ma petite vie personnelle, « Ouais, si Dieu va me consoler,
quand je suis triste. Ou si Dieu promet que je ne vais jamais manquer de rien si je crois en lui. Mais mes frères et sœurs, si je connais les promesses faites dans l'Ancien Testament, et si je comprends leur accomplissement dans le Nouveau Testament, faites par Dieu, accomplies par Jésus-Christ, ceci va me donner la paix, la joie, la patience, la persévérance. Ça va me donner tout ce que j'ai besoin dans n'importe quelle circonstance de ma vie. Je n'aurai pas besoin de chercher une promesse pour chacun de ces moments de ma vie. Si je comprends bien les promesses faites dans l'Ancien Testament, qui les a faites et pourquoi qu'ils les ont faites, et je comprends leur accomplissement en Jésus-Christ et l'accomplissement qu'il va faire à la fin des temps, ceci me donne toute la paix que j'ai besoin, toute la joie, toute la persévérance, toute l'excitation que j'ai besoin, si je peux dire, pour vivre ma vie chrétienne. Cherchons pas un verset dans un moment précis. Non, lisons les Écritures pour découvrir le Dieu des promesses. Et les promesses qu'il a faites, comprenons-les bien. Et qu'ils s'accomplissent en Jésus-Christ, comprenons-le bien. Et nous aurons toutes les vérités dans notre cœur qu'on a besoin pour faire face au moment de notre vie. Ce que Dieu enverra dans notre vie jusqu'à temps qu'il vienne nous chercher. Notre bon Père du ciel, tes promesses se sont accomplis en grande partie par l'arrivée de la bonne nouvelle en Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, et par l'arrivée du Saint-Esprit. Ô Seigneur notre Dieu, c'est ça qui nous donne la paix, la joie, la sérénité, la persévérance, l'endurance, l'acceptation, la soumission à tout ce que tu vas envoyer dans notre vie. Donne-nous de ne pas chercher ce que tu peux faire, mais de chercher qui tu es et ce que tu as promis en Jésus-Christ.